Quoi ça? Du bruit! Du bruit! Je m'implique, qu'à pas laisser des traces, tu vas être en panique, dire mal, mon message, vous êtes pas, j'ai monomaculé de sang au fil du temps, ma fétisé et si contaminé, pour amnésique, acquisition et pour raton et de régime, pour le manéthéité, belle bouger, belle bouger, belle bouger. Ça va, garçon, repos. J'ai une ou deux questions. Wesh. Qui sont les Kaira quand ton président est un truand, entouré de tyrans qui baignent dans la misère, les larmes et le sang, et à qui profite le crime, vraiment? Ouais. Si fumer du shit, c'est être une racaille, alors c'est ce que je suis. Si en vendre aussi, alors c'est ce que je suis. Si voler aussi, alors. Pour manger ou même parfois par biche, je le suis, je l'étais, le serai. Cette racaille qui dans ta douce France fout la pagaille. De toute façon, je suis un étranger, pas le droit de voter ni de dire que j'emmerde ce pays dans lequel je suis pas né. Mais on m'a éduqué sans rien m'apprendre sur ce que je suis ni d'où je viens. Comment tu veux que je sache où je vais? Ouais, je vais là où tu voulais de toute façon. Nulle part. Avec plus rien en quoi croire. Tu avais déjà tué notre espoir en violant nos mères, nos grands-mères et en prostituant notre histoire. Les colons l'ont détourné pour qu'on ne puisse ternir leur gloire. Mais grâce à vous, je suis citoyen de notre terre. Et oui, je suis un espèce de libertaire, un rebelle sans sous, donc pour vous un voyou, une racaille, disiez-vous. Kaira, punk, rebelle, marginal, etc.
tous hors la loi. Colonisation n'a eu aucun effet bénéfique sur moi. Et j'ai toujours autant envie de renvoyer chez eux, ces Sarkozy, ces immigrés qui oublient, s'oublient eux-mêmes même. Ouais. Comme tous mes frères en exil qui ont quitté Mama Africa, on n'oublie pas que si dans tes richesses tu nous méprises, jamais tu ne l'emporteras paradis. L'Occident est maudit comme on dit, bien mal acquis, on ne profite jamais. En fidèles et bons descendants de tes ancêtres qui ont conquis les miens, les ont asservis, tu continues à tirer profit de tes anciennes colonies. Et c'est ainsi que les riches s'enrichissent, que les pauvres s'appauvrissent. Nous, immigrés étrangers, on reste dans vos quartiers prisons, vous nous maintenez sous pression. Et c'est vos merdes que nous ramassons, vos chiottes que nous nettoyons. Tous les jours, nous subissons toute forme de discrimination dans vos rues, vos entreprises, vos institutions et même à la télévision. Vous organisez le jeu génocide depuis que vous avez remarqué que nous nous reproduisons et que même parmi vous, nous étions devenus des vôtres, français. Et le pire, c'est que nous pensons et nous nous défendons. Mais vous avez appris à manipuler l'opinion pour faire de nous les maux de toute une nation. La panne d'un système qui devient de plus en plus fascisant. Mon discours est extrême comme les difficultés que je rencontre de par ce que je suis et représente mon peuple, ma terre, mon histoire, ma famille, mes amis, ma tessie et tous ceux qui ont grandi dur de s'épanouir dans un KGB au banc d'une société qui souffre d'amnésie, mon ami. 1, 1, c'est... Oh. Et je tenais à le dire, c'est... K-U-A-Z-A-R, sort in a dit area. Right. Oh, oh. 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 Quand je reviens sur le beat, c'est ça. Dégédédé pour Rhyna, menemenemen, je reviens, menemenemen, mitraille, menemenemen, comment je fais pas ça pour la maille, mais pour le kiff quand je reviens, c'est original. Bébat, 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 boy. Menemenemen, comment c'est, non. Et ici y'a pas de toy, y'a pas de wack, y'a pas de MC qui s'en raconte. Toi-même tu sais, on est bien, on n'est pas vu, rendez compte. Mais quand je reviens, toi-même tu sais, eh mec, eh. Faut que la sauce elle monte. Rage. Hey yo, Dapro dans la place. Mec, on place ça à l'ancienne, on reste efficace. Hey DJ. Faut prendre le micro par contre hein. Mais bien sûr je le prends. Vu que tu me tends la main, moi je la saisis. Non sûr. Non, je tends pas la main moi. Je tends mon sexe. Non ça suffit, arrête tes obscénités immédiatement. T'as vu comment il a réagi tout de suite? Ah oui, c'est clair. Là, c'est l'homosexualité refoulée quoi. Tu dis à un mec, tu lui parles soit de son zizi. Jamais, jamais il va faire ça. Pas mon boule. Non.